Hola, 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 ça a fait tout le monde. J'espère que nous sommes pas vrai. Est-ce que vous connaissez que USCIS, immigration américaine, mettait disponible un manuel d'instruction? Ça veut dire un guide qui expliquait ou du moins qui expliquait sponsor, mais comment qu'il doit remplir formulaire I-134 là. Est-ce que vous connaissez ça? Si vous ne connaissez pas ça, m'invite au vin avec Kounia là pour aller dans l'atelier de travail moi pour regarder qui ça manuel d'instruction ça comment on dit pour remplir formulaire I-134 là pour un bénéficiaire. Et voilà, nous dans l'atelier de travail moi là et moi pour le montrer nous bien rapide guide instruction ça que USCIS mettait disponible ou capable aider un sponsor bien rempli formulaire I-134 là, l'a pas appliqué pour un bénéficiaire. Dans le jour passé, moi j'étais venu avec ça comme sujet, moi j'étais parlé surtout avec bénéficiaires qui attendent soit en Haïti ou bien en dehors des États-Unis. Moi j'étais dit en attendant que vous attendez, faut ta fonti parler avec sponsor ou a pour dire s'il vous plaît font dernier coup de jet dans formulaire I-134 que vous voyez aller à pour regarder est-ce que pas de yon grain deux grain erreur qui te produit là-dedans ou encore plus comme ça si ou est erreur a pi bonnet heureusement erreur a ka corriger gen en pile monde qui pas bien prend sans yo pour comprendre contenu vidéo a que moi t'ai fait. D'ailleurs moi t'ai fait c'est par rapport à problème ça que me croiser en pile monde que m'a aidé là-dedans. Certes, il y a en pile monde qui a parlé sous question avocat, sous question immigration, m'a dit clairement que il y a des bagailles c'est raisonnement. C'est bon sens. Et il y a encore plus facile toujours si gon manuel, si information yo là, si gon guide d'instruction qui disponible pour ça. Donc pas grand rien là que vous même que on l'autre monde pas qu'à faire. Il suffit que ou baille temps ou chercher information ou apprendre et ou tient à ce que ou fait soit faire bien. Toute démarche qui montre ou qui gens pour appliquer dans programme non yo là information disponible pas gain secret dans fait que là. Il suffit que vous prenez temps ou baite tout un petit temps ou aller sur internet ou aller sur site immigration américaine non sur site USCIS là ou lit toute modalité yo ou chercher comprendre yo et ou après c'est un bagay qui pas si difficile que ça. Maintenant nous entrer dans vif du sujet instruction que USCIS ba ou dans guide que le mettait disponible là li clair que si gen des erreurs que vous faites dans forme non si vous pas mettez toute information ou pas bien mettez aux gens au mando là ka gen complication pour évidemment ka gon kou chance côté que on formulaire qui mal rempli chance pour li tomber en bas main yon agent immigration peut-être qui était fatigué pendant journée an, li tellement traité dossier et li juste prend décision comme ça li coche soit la prouver ou bien li dit na ou si la prouver ou c'est bien. Ça, c'est un guide qui explique où, mais comment ou doit remplir formulaire I-134 là pour un bénéficiaire. Bien entendu, nous pas bien temps ouais, toute bagaille là donne, mais il est disponible et si vous besoin guide là, donc nous traduit en français, nous avons toujours voué le bas ou pour gagner une idée, même si ou pas un sponsor qui a rempli pour moun, mais au moins ou a bien une idée de guide instruction que immigration mette pour dire mais qui gens que vous devez remplir formulaire et là il dit comment pour ka remplir formulaire I-134 là alors pour qui ça il est obligé mettre guide là disponible c'est parce que il voulait pour pas faire erreur là-dedans et dans page 3 guide ça il dit répondez à toutes les questions de manière complète et précise. Dans partie 6, yo parle de coordonnées, certification et signature sou gon moun ka interprété pour vous. Donc guide là explique clairement toute information que vous devez mettre dans formulaire I-134 là et qui gens
pour mettre autour. Concernant frais, sponsor a pas gagné un good la payer pour le déposer formulaire ça. Bon, regardez bien USCIS, yo pas si méchant que ça non parce que dans guide instruction ça, USCIS même ba ou en partie, yo même ba ou qui gens yo traiter dossier. Donc traitement des informations. Si ou pas rempli complètement formulaire, si ou pas bail tout soutien de base que vous gagnez, ou pas démontrer tout soutien de base que vous gagnez pour bénéficiaire et pour vous-même comme sponsor personnellement, yo dit USCIS ou bien département d'État, yo capable rejeter ou bien refuser demande ou. Yo même parlé ou de qui j'en prend décision. Décision y a prend pas écrit. USCIS clair ensemble avant, il dit si vous-même comme sponsor ou falsifier document ou font série de bail qui pas ça. Eh bien, non seulement il y a pour rejeter demande ou quoi, mais tout, il y a qu'à poursuivre pénalement. Donc, en gros, moi, j'ai besoin d'informer de ça, moi, j'ai besoin que nous comprenions très bien que ce n'est pas un bail que nous apprenons à la légère. Est-ce que le formulaire I-134 qui est allé pour voir, est-ce qu'il n'y a pas de temps d'une erreur là-dedans? S'il y a pas de erreur, comme ça, on a besoin de prendre devant, on a besoin de corriger quelques bagailles et qui a bon pour vous. En fait, c'est cette vidéo ça que m'té porté pour nous et moi j'ai dit merci d'être que nous t'ai passé tout temps ça ensemble. Bye bye. À la prochaine pour une autre vidéo qui pide d'emblée.